c'est Léona. Aujourd'hui, je vais découvrir Fallout 4. Il est sorti il y a quelques mois. C'est la première fois que j'y joue, donc si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à suivre la vidéo et à le découvrir en même temps que moi. Allez, let's go. Alors, on va passer la petite introduction. Allez, on passe. La guerre ne meurt jamais. Tu vas les épater ce soir à la réunion des vétérans. Tu crois ? Évidemment. Maintenant, arrête de t'admirer et file te préparer. Bien. Oh, ça va, ils sont bien faits, les personnages. Alors, visage... Je peux choisir le visage. Extra, sexe, corps... Allez, on va choisir la fille. Voilà. Alors... Allez, on va choisir celle-là. Je vais la faire... allez, métisse. Métisse. Bon, ça va, on a du choix côté couleur. Allez, on va choisir ça. Que tu es belle. Oui, merci. Ensuite, j'aime pas ses yeux, elle a les yeux fatigués là. Alors, type. Je crois que Sean a mes yeux. Alors. Elle a les yeux comme une personne qui a pleuré. T'as de beaux yeux, tu sais. Non, non, ils sont pas beaux là. Alors, on va lui choisir des yeux en amande. Qui font un peu plus réveiller. Ouais. J'aime bien. Non, moi j'aime pas. Bon, ça se ressemble un peu tout ça. Hein. Bon, allez, on va choisir ça. Tu es splendide. La couleur. Allez. On va choisir. Allez, couleur noisette. Ensuite, les cheveux. On va passer aux cheveux. On va choisir. On va pas la faire chauve. Pas très sympa ça. Ils ont beaucoup de coupes courtes. Oh, c'est pas top. Hein. C'est pas top. Bon. On va pas se compliquer. On va lui donner les cheveux. Allez, très court, un peu à la garçonne. Ouais. Allez, comme ça. Mon coiffeur est un véritable artiste. Oui, c'est moi, c'est normal, merci. Alors. Allez, on va la faire blonde. Il y a une bonne panoplie de couleurs. Allez. Tu serais pas allé chez le coiffeur, toi ? Ensuite. Quelque chose qui me gêne dans ses yeux, ils ont l'air fatigués, elle a des rides. Comment est-ce qu'on fait pour enlever les rides? Comment est-ce qu'on fait? Ah, sculpter peut-être. Oula. Non, t'es pas belle, t'es pas belle. J'ai toujours de l'allure. Allez, on... Comme ça. Alors, extra, je pense qu'il va y avoir le maquillage, très bien. On va lui mettre... lèvres mates, non, 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 non. Eyeliner, on va rajouter de l'eyeliner, on va voir ce que ça va donner. Non, on va laisser l'eyeliner du bas, là c'est too much. Alors, oh. Lèvres mates, tout compte fait. Allez, on va lèvres mates. Hop,
Ah, ce visage. C'est lui qui m'a fait fondre. Ensuite, tâche. Non, 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 là... Ça va pas du tout. Là, elle est mal réveillée. Du moins, elle a pas dormi depuis 10 jours. Non, on va pas te mettre des boutons. Alors, on va laisser comme ça. On va terminer. On a envie de jouer assez rapidement. Attends. On va pas confirmer tout de suite. On va voir corps. Alors, on va changer ton corps. Alors, on va te faire assez mince. Voilà. Un peu en mode Lara Croft. Accepté. Allez, pousse-toi, baby. Terminé. Voilà. Bon, j'espère qu'on aura la possibilité de changer ses vêtements parce que là, ça fait un peu vieillot. Alors, on visite vite fait la maison. Ok. La chambre à coucher du bébé. Jouer avec Sean. Ok, d'accord. Alors, pour l'instant, tout est calme, mais j'imagine que d'ici quelques madame. Petites minutes, tenez, ça va un peu s'agiter. Une température de 78,6 degrés Celsius, ah. Comme d'habitude. Vous m'en direz des nouvelles. C'est un peu l'homme à tout faire. Merci, Codsworth. Bien sûr, madame. Ah d'accord, il nous fait à manger. Il fait la vaisselle. Eh ben, si on aurait ça dans la vraie vie, dans la vie, ce serait cool. Allez, tu vas boire du café. Alors... Mon cœur ? Je crois qu'il est temps qu'on emmène Cotsworth en révision. Oh, je détecte une odeur suspecte. Je crois qu'il est temps de changer le petit chaud. D'accord. On était un peu hésitant au début, mais... Heureusement qu'il est là, sinon le bébé, il pleurait encore assez longtemps. J'espère que le café est à votre goût, madame. Oui, il était délicieux, le café. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Bon, je suis censée le calmer. Allez. Je passerai l'aspirateur plus tard. Merci, merci. Codsworth. Codsworth. Et on ne touche pas au linge sale. Je m'en charge. Eh ben. Bon. Il est content. On va le laisser. On dirait que ça sonne. Comme ça. Ah oui. Bon, on a un invité. Abordons un sujet qui... Bonjour. Société Voltec. Alors, on va lui dire bonjour. Bonjour. Regardez ça. Quel magnifique ciel bleu. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort, croyez-moi. Ça sent un peu l'arnaque, mais bon, on va l'écouter. Eh bien, je vous écoute. Je vois ça. Je vois ça. Mais je sais que vous êtes occupé. Donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est un bien précieux. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. L'abri 111. Ok, d'accord. On va mettre... intéressant. Intéressant. Allez, comme ça, on va en savoir un peu plus. Ça l'est. Vous pouvez me croire. Vous avez d'ores et déjà l'autorisation d'accéder à l'abri en cas de... destruction atomique mondiale. Je dois juste vérifier quelques informations. C'est tout. Alors... bon, dépêche-toi. Bon, va aller. Sarcastique. L'apocalypse. Eh ben, je signe tout de suite. Ça... Non, si j'ai passé. Alors, formulaire d'enregistrement... Parlez-nous un peu de vous. Voltec a besoin de savoir qui vous êtes vraiment pour vous donner tout le bonheur que vous méritez. Alors, force. Donc, j'ai 21 points.
J'ai 21 points que je dois dispatcher, donc entre ces 7 items, donc la force, on va lui mettre 3, 4, perception 4, endurance 4, charisme, allez, on va la faire très charismatique, 8, intelligence. Ah oui, on nous explique qu'en bas à droite, les items, donc bon, vous les lisez en même temps que moi. Ta charisme, intelligence. Allez. Mince, il me reste plus de points. Alors, je vais prendre un peu de charisme. Je vais prendre un peu de charisme. On va mettre dans l'agilité. Elle sera pas trop chanceuse. Allez, c'est pas grave. On accepte. Ah, il faut lui donner un nom, bien sûr. Allez, on va lui donner mon prénom. Léona. Voilà. Formidable. Je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations, vous venez Je peux d'assurer te votre suivre? Ah avenir. non, même pas. Merci encore. Écoute, c'est pour être tranquille. Oui, Ça voilà, vaut bien on s'en quelques est minutes de débarrassé. paperasse, non? Ce que je ferais pas pour Sean et toi. Bonne réponse. N'est-ce pas? Alors. Elle continue à pleurer. J'ai changé la couche de Allez, chaude, pousse-toi, mais pousse-toi. rien à faire pour le calmer. Je pense qu'il a besoin d'un câlin maman. Que vous D'accord, semblez j'y si vais. jamais Laisse-moi triste. passer, s'il te plaît. Je ne veux pas lui Vas-y, tirer dessus, là. J'ai pas j'arrive dans une d'armes. seconde pour t'aider, d'accord? Alors, oui, bébé, qu'est-ce qu'il y a? Allez, on va jouer avec toi. Mon garçon, n'embête pas sa maman, n'est-ce pas? J'ai réparé le mobile au-dessus du berceau l'autre jour. Essaye-le, vas-y. Ok, alors. On va essayer le petit jouet. C'est bien, mon fiston. Un vrai modèle, comme son père. Enfin, la plupart du temps. Dis, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Oui, bien sûr. Qu'on va mettre. Bonne idée. Ouais, bonne idée. Madame, monsieur, je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe, Cotsworth? Peut-être un peu d'action. Et maintenant, attendez, des éclairs. Des éclairs aveuglants. Des Oui. bruits d'explosion. Nous essayons d'en savoir plus. Quoi? On m'indique que nous avons Qu'est-ce perdu qu'il le a dit? contact avec nos autres studios. Des Non. sources sûres nous confirment que... Oui? Oui, des explosions nucléaires sont confirmées Ah. à New York et en Pennsylvanie. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. Je sens On a que gagné la l'aventure va vite. commencer. Et Sean avec moi. Allons-y. Il faut s'enfuir, on se dépêche. Habitants de Sanctuary Hills, c'est pas vrai. si vous êtes inscrits, non, c'est rendez-vous pas vrai. immédiatement à l'abri 111. Allons jusqu'à la côte. Ça devrait être assez loin. On va suivre la madame. Laisse les valises. On n'a pas le temps. Laisse les valises, pas le temps. Allez, on se dépêche, allez, allez. Il est où mon mari là? Il est où? Bon, moi je pars sans lui. Sauf qu'il peut. C'est absurde! C'est si moi, vous Voltaire! Vous ne si rentrez je pas. rentre, vous ne m'arrêterez pas! Oh non, on va toujours passer. Allez, passez-nous entrer! On est sur la liste. Enfant, homme adulte, femme adulte. C'est bon, allez, merci. Merci. Bonne chance, monsieur. Vous deux, suivez-moi. Dieu allez, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont de l'autre on côté de la tout ce barrière? qu'on peut. Allez, dépêchez-vous! Allez, on se dépêche. Hop là. Montez sur Par la ici plateforme! Mettez-vous au milieu! D'accord. Il est là, mon mari. Le On y bébé est il est là, presque. tout va bien. Ça ne va bien? Il va bien. Ça va aller. Je t'aime. Enfant! Oh vite! Vite! Descendez tout de suite! Accroche-toi! On peut pas aller plus vite! Oh, aidez-moi! Thank you.
Ah, j'ai pas précisé, je joue avec la manette Xbox, donc ça a On a vibré assez réussi. longuement. On y est. Tout va bien. Sortez tous de l'ascenseur et montez les escaliers. En ordre, s'il vous plaît. Inutile de s'alarmer. Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements. Bienvenue dans l'abri 111. Un avenir meilleur sous terre. Donc là, on doit... Montez l'escalier. Donc on va Je n'arrive pas habiter à le sous croire. Terre maintenant. Au revoir, J'en la belle étais maison. Parti une minute plus tard. N'y pensez On plus. Serait tous. Vous êtes en sécurité maintenant. Montez tous l'escalier et franchissez la porte. Ouais, j'ai pas ton temps. Merci d'avancer en ordre. Oui, si je peux pas courir par contre. On est par ici. Approchez-vous de la table. Prenez une combinaison. Avancez jusqu'à la table. Il vous faut une combinaison pour accéder au reste de l'abri. Prenez une combinaison là-bas. Personnel de Voltec. Merci. Et maintenant? Suivez le médecin. Il vous montrera où vous rendre ensuite. Bon, Allez, vous trois, bien. Suivez-moi. Les niveaux sont bons. Tu vois? Là-bas, s'il vous plaît. C'est notre nouvelle maison. Oh, vous serez Ça bien me ici. Fait un peu penser au vaisseau dans The Andred. Tout ce qu'on avait. Les autres Mes parents étaient à vous. Combien de temps est-ce qu'on va rester ici? On vous expliquera tout ça lors de l'orientation. Mais d'abord, on va commencer par un Pardon. Examen médical. Il n'y a rien à voir. À ok. Vous serez bien ici. Ça me va bien. Je coche juste les gens sur la liste au fur et à mesure. Que chic. On est paré pour l'avenir, pas vrai? Eh! C'est par ici. Entrez là-dedans et enfilez votre combinaison. Ok, ça m'inspire pas confiance. Hein. Ils vont pas m'enfermer là par hasard. Tu veux bien m'aider, mon cœur? Je vais réconforter le bébé. Alors, fiston. Je vais Parce pas que loin. C'est la dernière fois que je vois. Serai juste là. Là voilà, tu vois. Maman n'est pas loin. C'est bon. Allez, on va Entrez écouter le docteur. Et enfiler votre combinaison. On va entrer et enfiler notre combinaison. Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé. C'est une nouvelle vie qui commence. Résident. Sécurisé. Fonction vitale de l'occupant, normale. Procédure terminée. Dans Oula, fait froid. 5, commence à faire très 4, froid. 3, Le bébé va mourir dans ces conditions-là. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Qu'elle se réveille? C'est celle-ci. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ouvre. Moi, je peux pas bouger de mon cocon. Oh, mon enfant, il pleure. Presque fini. Ne vous inquiétez pas. Je vois bien. Viens. Imaginez déjà, mon mari, il a froid. Alors, le bébé. Lâchez le bébé. Qu'est-ce qu'ils font là? Non. Je ne vous donnerai pas faute. Ah non. Ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Tu vas me tuer, moi aussi? Et je vais pouvoir revoir le bébé. Je vois qu'on est dans un terrain hostile. Allez, laissez-moi sortir. Merci. Ils doivent évacuer immédiatement. Alors.
que je peux ouvrir ça? Allez, il doit bien y avoir une ouverture. Alors. J'ai envie de voir le personnage avec lequel je joue. Voilà, c'est mieux comme ça. Inaccessible. Dysfonctionnement de l'ouverture d'urgence. Allez, hop, c'est fichu. Prenez contact avec votre représentant de maintenance Voltec. Pour l'instant, pas de méchants, pas de monstres. J'ai un mauvais pressentiment. Ah ouais. Appuyez sur RT pour attaquer. Ok. Ok, d'accord. Ouh, des cafards. Aïe, aïe, aïe. Ah. Allez, tiens ça. Oh, ils sont énormes. Allez, dépêche-toi. Des cafards géants? C'est quoi ce bordel? Oh là là, j'ai horreur de ça. Ils sont énormes. Ouh là 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 là. Tiens, tiens ça, toi. Tiens ça, tiens ça. Allez toi, tiens ça. On va pas s'asseoir, j'ai pas le temps. Ouais. Oh là 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 là. Ils sont immondes déjà. Ils sont immondes dans la vie quotidienne. Alors là. Ouais. Je sais pas à quoi ça va servir, mais on va prendre. Ça va sûrement nous servir à un autre moment. La chair de rat de cafard. Boire de l'eau. On n'a pas que ça à faire. Allez. Steam pack. Prendre. Donc c'est des seringues, j'imagine. Que ça doit être pour augmenter sa santé. Donc en bas à gauche... c'est écrit PV, donc j'imagine que c'est sa jauge de santé. Hop. Cartouche, allez. On va prendre le maximum de cartouches. Allez, un pistolet. Ça tombe bien. Pas mal. Attends-moi, je reviens. Pingle à cheveux pour ouvrir ça. D'accord. Il n'y a rien dans le classeur. Alors, on a d'autres choses à prendre ici. Cartouche, un autre flingue, voilà. Allez, d'autres Steam Pack. Hop, oh, un ordinateur. Il a une vieille tête. Hein. Instruction à l'attention du cerveau. Du superviseur de l'abri, cryolator, tac tac. Allez, ouvrir le tunnel. Bon. On va sortir. Hop, très bien. Attends, on va sortir le flingue. On ne sait jamais si des rats de cafards viennent nous attaquer. Oula. Hop. Attends, attends, attends. Oh mon dieu. Oh, voilà. Hop, dépêche-toi. Hop. Il y en a un qui m'attaque là. Tiens ça, tiens ça, tiens ça. Oh là là, c'est immonde, c'est immonde, c'est immonde. Voilà. Il est où ? Je vais finir toutes mes cartouches bêtement, mais bon. Ouf, je peux le taper autrement. Commande de la porte de l'abri. Interface Big Boy nécessaire pour activer la séquence de la porte de l'abri. Malheureux. Bonne journée.
Pip-Boy. Donc, j'ai sûrement besoin de ça pour ouvrir la porte. D'accord, donc là j'ai l'inventaire de tout mon matériel. Oui, d'accord. Donc tout à l'heure quand le monsieur est venu toquer à ma porte, c'était pour ça. D'accord. Mais je me souviens que j'avais choisi, j'avais mis que 2 points de chance. Ok, d'accord. Bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on va ouvrir la porte. Alors. Séquence d'ouverture de la porte de l'abri initiale. Allez, on va sortir d'ici. Veuillez reculer. Hop. Je me demande où est-ce qu'ils ont emmené le bébé. Oui, enfin, ah oui, il y a la passerelle, pas bête. Changer d'apparence. Non, elle va rester comme ça pour l'instant. Allez, terminé. Quitter l'abri. Bon retour à la surface. Et merci d'avoir choisi Voltec. Niveau 1. Ok, je viens de terminer le niveau 1. Donc, nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo pour la suite de Fallout 4. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez apprécié, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, voilà. Allez, à très bientôt.